Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Core Laboratory C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Nous avons une entreprise ici, c'est une demande spéciale également de nos abonnés. Donc, Core c'est une entreprise que j'aime bien. Alors, je l'aime bien parce que c'est une entreprise qui a la capacité de souffrir, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ici Donc, Corelab fournit des services et des produits de description de réservoirs et d'amélioration de la production à l'industrie à la, à la pétrolière et gazière aux États-Unis, au Canada et à l'étranger. Elle opère à travers les segments de description des réservoirs et amélioration de la production. Donc, le secteur description des réservoirs comprend la caractérisation des roches de réservoirs pétroliers, de fluides de réservation et d'échantillons de gaz afin d'améliorer la production et d'améliorer la récupération de pétrole et de gaz à partir des réservoirs de ses clients. Donc, essentiellement, ici, elle étudie les sols et, dépendamment des informations qu'elle aura, bon, elle peut donner des informations concernant la meilleure manière pour vous de pouvoir extraire ce pétrole-là d'accord, ou bien ce gaz-là. OK? Donc c'est une compagnie qui le revenu de cette compagnie dépend énormément de la dépense en capital des compagnies pétrolières, ok Et nous allons le voir ici. C'est une compagnie européenne, elle est basée aux Pays Bas. C'est une compagnie que j'aime que j'aime bien. Enfin, je l'aime je l'aime bien parce que voilà, elle a la comme je le disais tantôt, elle a la capacité de souffrir. Vous allez remarquer quelque chose sur cette compagnie. Alors, on va prendre le revenu premièrement, d'accord C'est une compagnie cyclique. Là, premièrement, il y a, il, ici, il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. C'est une compagnie cyclique. Si vous regardez ici le cycle, ici le, cycle du, du, le dernier cycle du pétrole ici, en fait, ou bien de de, de, de voilà, du pétrole, c'est retourné en 2014. C'était en 2014, donc le dernier cycle haussier. Donc De 2014 à peu près à 2021, on a eu on a, à 2020, on a eu un cycle bas. Okay donc à partir de 2020 de, à fin d'année 2020 début 2021 ici, on a un pétrole qui est de plus en, qui, qui est en hausse ici. Donc à la fin de la journée, quand vous prenez ici, par exemple le Trude oil, crude oil, alors on le prend ici. Je prends les futurs, donc ouais cette information là et voilà. Donc on va le prendre ici. Vous allez voir ici que le prix du pétrole, quand on est à ces niveaux-ci, on est aux alentours de 80, 86 dollars l'action, d'accord 86 dollars l'action, on est au plus haut ici. Quand on arrive au plus bas, vous constatez que les revenus baissent également, d'accord Donc le revenu baisse après. Que le prix du pétrole est baissé. Okay? Pourquoi Parce que les dépenses en capital ne s'ajustent pas aussi facilement. D'accord Et à partir de ce moment-ci, quand on recommence la hausse ici, vous remarquez également qu'il y a un léger retard ici. Mais quand on a une baisse, boum. La baisse est là et on assiste on, on ici à une baisse prolongée pendant plusieurs années. Même si le pétrole se maintient aux alentours des 60, 60 dollars l'action, vous voyez que la baisse, de, la baisse des revenus est prolongée depuis plusieurs années. Elle est due à quoi Notamment les entreprises pétrolières ont sous-investi durant toute cette période-là. Si vous prenez par exemple l'exemple de Total Energy, d'accord La vidéo n'est pas sur Total Energy. Donc prenons Total Energy par exemple. On va regarder Capital Expenditure, Capital Expenditure. Donc, on prend la dépense en capital de total énergie également. Et vous, on va comparer cela par rapport. Voilà, rappelez-vous que le prix du pétrole entre 2014 et aujourd'hui, il y a eu une baisse. OK Donc, vous constatez une chose. De 2014 à, à 2020, on a une baisse de la dépense en capital de total de 27 milliards à peu près 10 milliards. Donc, les entreprises, ce genre d'entreprises, elles ont, ont sous-investi pendant plusieurs années. Et vous remarquez également que ça va de pair avec la baisse des revenus de Collab. Et sur les derniers mois ici, là, on, a une, on assiste à une, à une hausse soutenue. Okay Donc, la dépense en capital reprend. Et quand la dépense en capital reprend, il y a de fortes chances que cette compagnie-ci ait au moins 1 à 2 ans ou bien 3 à 4 ans ici de revenus élevés soutenus. Oui, le prix du pétrole également va, tendre, va, 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 va varier entre temps, mais ça reste une compagnie ici assez cyclique. Okay Donc, la raison pour laquelle elle ne gagne pas beaucoup d'argent présentement, enfin en termes de revenus, c'est uniquement parce que la dépense en capital est en retard. D'accord ne, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, on revient sur la compagnie. Donc, revenus ici, on a à peu près 4, 700, 4 millions... Euh, 479 millions ici d'euros, d'accord, ça c'est le niveau de revenu ici. On a connu des plus hauts aux alentours de 1 milliard ici. Donc, au niveau ici la marge de la, de la marge brute ici, donc vous constatez que si le revenu baisse, est-ce que les marges brutes restent à peu près stables ici On a une marge brute qui diminue également, ok, on avait 38%, aujourd'hui on a à peu près 20% ici, donc la marge brute a diminué de moitié. Et au niveau de la marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a au niveau de la marge EBITDA ici Est-ce qu'on a des marges EBITDA qui sont à peu près stables On était aux alentours de 35 ici. Aujourd'hui, on est à 10 on souffre également à ce niveau-là. Alors, pourquoi est-ce que cette compagnie peut donc être intéressante à la fin de la journée Nous avons une compagnie ici qui n'a jamais perdu d'argent. Regardez ça. Si vous comparez les chaud de cette compagnie ici, vous allez remarquer qu'elle n'a jamais perdu d'argent. Jamais. Même pendant la période de baisse prolongée du, pét euh, du, du pétrole, elle n'a pas perdu d'argent. Regardez, elle a perdu en termes de net income ici, il y a une baisse. Il y a, il y a, un, il y a un effet négatif ici. Mais en termes de free cash flow, il n'y a pas d'effet négatif. Donc en réalité, il n'y a pas de cash qui est sorti. On n'a pas perdu de cash. Donc on n'a pas, pas eu besoin de s'endetter pour relancer le processus de production. Parce que rappelez-vous que le free cash flow, c'est ce qui reste quand on a fait la dépense, quand on, quand on a effectué la dépense en capital. Or ici on a toujours eu des free cash flow positifs. Et si on a eu des free cash flow positifs, ça veut dire que même après la dépense en capital, il nous reste de l'argent. Donc ici, c'est une compagnie qui avait la capacité de, enfin qui a la capacité de souffrir. Rappelez-vous, on avait 200 millions de free cash flow ici. Ici, on a à peu près 11 millions de free cash flow en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on avait une dette ici Donc net dette, vous allez voir que le niveau d'endettement... Où on a vu une dette nette aux alentours à peu près de 400 millions ici. Actuellement, on est à peu près de 200 millions. Donc, elle s'est même permis de racheter de la dette. Okay? Est-ce qu'en termes de nombre d'actions ici, on a émis de nouvelles actions pour s'autofinancer Alors, on va regarder ça. Même pendant la période difficile ici, il n'y a pas beaucoup d'actions qui ont été mises. Il y en a quand même de 5 millions et il faut questionner pourquoi est-ce qu'il y a 5 millions d'actions qui ont été émises ici donc 5 millions quand vous regardez le prix moyen de cette entreprise et si vous allez remarquer que voilà si on prend la moyenne du prix par rapport à l'augmentation ici on va se dire que voilà c'est une entreprise qui a peut-être levé du capital aux alentours de 500 dollars à 80 dollars à l'action par là. Mais de toutes les façons, il faut aller les rapports financiers pour voir pourquoi est-ce que ça a été pourquoi est-ce qu'on a eu à hey, du, du, euh, de la dette, euh, hey, mec, de nouvelles actions ici. Mais on a une légère augmentation ici. Avant la période de Covid, enfin avant le dernier cycle ici, on avait même une baisse du nombre d'actions. Okay? Donc, combien est-ce que ça pourrait valoir tout ça? Tout ce bavardage, c'est bien, mais combien est-ce que ça vaut? Donc, Ici, il faut normaliser les revenus. Premièrement, les revenus moyens ici. Et je pense que c'est une entreprise qui n'a jamais vécu ce genre de situation-ci. OK On a un bon historique ici, mais on n'a jamais eu un, un, une, période, euh, une période de baisse aussi prolongée. Rappelez-vous, entre 1996 et 2014 ici, on a eu une hausse soutenue. Et en temps, le prix du pétrole également a varié, même s'il si a pu s'augmenter vers cette période-ci pour se situer maintenant à une moyenne de 60 D'accord Et depuis 2014, on a une baisse. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer dans l'avenir? Dans Donc, c'est pour ça que je dis souvent, si on se base uniquement sur les, sur les états financiers, on peut rater une information. Ici, si ça nous permet de voir à peu près déjà quel type d'entreprise on a, comment est-ce qu'elle s'est comportée par le passé. Et en lisant, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'est comportée ainsi et qu'est-ce qui permet à cette entreprise de gagner de l'argent. Si elle exerce dans le secteur pétrolier, vous allez remarquer que toutes les entreprises pétrolières gagnent de l'argent aujourd'hui. Or, C est, c est, ça, cette compagnie est un, un prestataire de services et ces services dépendent énormément de la dépense en capital des compagnies pétrolières. Et si les compagnies pétrolières ont sous-investi en capital durant les dernières années, il y a de fortes chances qu'elles n'aient pas gagné beaucoup d'argent. Mais à la fin de la journée, c'est temporaire parce que les compagnies pétrolières n'ont pas de choix que d'investir massivement en capital, okay? au moins pour relancer, pour maintenir à peu près le même niveau de production. Donc, il faut faire attention, c'est pour ça qu'elles n'ont pas généralement la possibilité d'augmenter les, les volumes aussi rapidement. OK? Donc, en termes de revenus ici, moi je dirais, premièrement, au niveau des revenus, on va devoir les normaliser. On va passer directement au net income, au, au free cash flow ici. Donc, c'est ce qui m'intéresse parce que je pense que les fricots donnent une information, une bonne information par rapport à la rentabilité de cette compagnie ici. Donc, quand on regarde les fric quand on prend la moyenne ici, il faut déjà se protéger en conséquence. C'est la première fois qu'on a ce genre de période ici. C'est vraiment la période, une baisse, la première fois qu'on a une baisse prolongée. Okay? Pourquoi est-ce que je le dis ici? Que regardez, Si on prend les 20 dernières années, admettons qu'on prend les 10 dernières années et on se situe, disons, en 2014, vous allez voir ici que la médiane en 2014 est de 165 millions. Si on avait pris 2014, admettons que le prix commence à baisser, on se dit, ok, quelle est la médiane 168 millions. Admettons maintenant qu'on prend, prend la même information 5 ans plus tard. Nous sommes en 2014 ici, donc 5 ans plus tard, c'est 2020. D'accord Donc, on prend la même information en 2020. En 2020, on a 173 millions. On quitte ici, on était aux alentours de 165. Là, on a 173. D'accord Vous voyez même que ça a augmenté. Alors qu'on a déjà une baisse soutenue ici, tout simplement parce que ça a pris en considération cette période-ci. Et quand on arrive ici, donc si je prends ici les dix dernières années, on a 102 millions. Cinq dernières années, 78 millions. Trois dernières années, 39 millions. Donc vous voyez qu'on s'en va à la baisse. Donc maintenant, est-ce que je prends 39 Est-ce que je prends 78 Est-ce que je prends 102 C'est la question qu'il faut se poser. Je pense, je pas que je pense, c'est une entreprise qui peut littéralement gagner 102 millions, en ce qui peut gagner au moins une centaine de millions en moyenne sur un cycle, ok Une centaine de millions en moyenne. Rappelez-vous que sur toute cette période-ci, elle a gagné beaucoup d'argent, ok Donc, de 2007 à peu près à 2015, elle a gagné près de 200 millions, près de plus de 100 millions en moyenne. D'accord Plus de 100 millions en moyenne. Donc, ici, de 2014 à de 2015 à, à peu près 2018, elle gagnait également 100 millions en moyenne. Et à partir de 2018, on a en dessous de 100 millions et ça c'est temporaire donc je vais prendre 100 millions ici comme free cash flow je ne vais pas aller directement sur les nets, les, les revenus etc pour essayer de voir quels revenu on pourrait avoir euh, non je vais prendre les revenus, le, directement la médiane des free cash flow en termes de volume ok pas en termes de pourcentage la croissance je vais mettre croissance zéro vous constatez déjà que le revenu est en berne ici et essentiellement il faut aller voir la croissance est due à quoi donc au niveau du nombre d'actions ici donc ici nombre d'actions Net dette nombre d'actions, excusez-moi. Donc, nombre d'actions ici, on avait combien Voilà. Nous avons à peu près aux alentours de 47 millions d'actions. Donc, je vais prendre 47 millions d'actions ici. Donc, faites attention, tous les chiffres qui sont ici ne, ne correspondent pas à ce qu'on a en train de faire présentement. Ce n'est pas pour cette compagnie ici. Donc, 100 millions, 47 millions d'actions. PR moyen ici, en 10 et 15 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre par exemple le price to free cash flow. Free cash flow. Price to free cash flow ici. On est à combien on regarde la moyenne ici. Alors, c'est normal que le prix du free cash flow soit aussi élevé. C'est pour ça qu'il faut jamais le prendre en considération. En date d'aujourd'hui, plus le, le free cash flow diminue, plus on aura tendance à avoir un prix du free cash flow qui augmente. OK Donc, il faut normaliser ces résultats-là. Et encore, en normalisant les résultats, il faut essayer de les apprécier de manière... voilà avec un regard assez décalé. Ici, on, quand je prends la médiane, c'est 31 fois les bénéfices. Sur les cinq dernières années, on a 39 fois les bénéfices. Et sur les trois dernières années, on a 32 fois les bénéfices. Qu'est-ce que je dois prendre Moi, ici, pour cette compagnie, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. OK? Je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. Donc, je vais me situer sur la borne basse même de cette compagnie. Donc, je pourrais même prendre ceci, je prends ça, je prends la... ici, tout en bas. Donc, on pourrait prendre la borne basse ici, donc aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Je pense que il y a de fortes chances qu'on qu arrive au moins à 15 fois les bénéfices en moyenne. Donc je prendrai 15 fois les bénéfices. Donc ça c'est même la médiane, parce que si je prends ici la moyenne, vous allez voir quoi Au niveau de la moyenne, la moyenne est encore plus élevée. Je prends 15 fois les bénéfices. D'accord C'est à ma discrétion. 15 fois les bénéfices. C'est une belle compagnie, hein elle a sûrement des avantages concurrentiels. Même si vous la Même si vous la voyez comme ça, il y a juste des entreprises qui... ont sait des avantages concurrentiels, mais ces avantages concurrentiels-là se révèlent généralement quand le cycle... Voilà. Quand on... Quand, 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 quand le... le, le le, le marché qu'elle sert commence à se réveiller. OK Donc ici, la, quand, tant que la dépense en capital pour les compagnies restera en berne, elle ne gagnera pas beaucoup d'argent. D'accord Mais si la dépense en capital augmente, elle va gagner beaucoup d'argent. Et maintenant, est-ce que ça veut dire que la dépense... Est -ce qu Il faut maintenant savoir est-ce que la dépense en capital va augmenter, oui ou non Ça, c'est juste une question de temps. OK Donc, nous avons ici cette compagnie, 15 fois les bénéfices. La dette nette ici, au niveau de la dette nette, Qu'est-ce qu'on pourra avoir ici Donc, je vais juste fermer ça. On a déjà trop de pages ici. Fermer, 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 fermer et fermer. Donc, on a ici net dette. Voilà. Donc, rappelez-vous, compagnie pétrolière, compagnie cyclique, toujours normaliser les résultats. Toujours. Et toujours poser la question où est-ce qu'elle se situe au niveau du cycle de production. Est-ce qu'elle est au niveau de l'extraction Est-ce qu'elle est au niveau, de est elle est au niveau de, de, du transport Est-ce qu'elle est au niveau de la distribution D'accord Par exemple, cette compagnie-ci, c'est plus, plus au niveau de l'extraction. OK Donc, si les dépenses, si les dépenses pour l'extraction ont diminué, surtout en termes de... surtout excusez-moi, surtout en termes de, de, de développement de nouveaux champs pétroliers ici, ou bien de nouveaux champs gaziers ici. Donc, il va falloir à peu près voir est qui, euh, est -ce, est -ce, combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer Également, il faut que je, 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 je fasse une petite remarque. Elle ne fait pas que du pétrole et du gaz. Elle a également des, de, des activités dans le secteur du lithium et également dans le secteur du... De, de, du euh, comment on appelle ça de la rétention du carbone, un truc comme ça. Je pense bien que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, elle n'a pas que le. C'est le, le secteur du lithium ici en plein développement. Donc, si tout se passe bien, le lithium pourrait être maintenant un élément de croissance future. Donc, lisez les rapports financiers pour cette compagnie ici. Alors, maintenant, on continue. Qu'est-ce que je recherchais ici Je recherchais une information. Alors, ici, la dette nette. OK, c'est la dette nette que je cherchais ici. Donc, au niveau de la dette nette ici, qu'est-ce qu'on obtient On a une dette nette aux alentours de 228 millions ici. Donc, je vais mettre dette nette 228. 2, 2, 8. Alors, dividende, on va y revenir. On a tous les éléments nécessaires pour essayer de faire l'évaluation de cette compagnie ici. 100 millions, free cash flow moyen, multiplié par 15 fois les bénéfices. Actuellement, on a 10 millions en termes de free cash flow. Faites attention. Multiplié par 15 fois les bénéfices, ça fait 1,5 milliard. Moins la dette nette de 228 millions. On arrive à une valorisation aux alentours de soixante douze, OK? Divisé par le nombre d'actions, on arrive à peu près à un prix aux alentours des 27 dollars l'action. Donc, X15, ici, ça nous donnera 27 dollars l'action. Actuellement, on cote à combien? Actuellement, on cote à 17 dollars l'action. D'accord? Donc, maintenant, je vais prendre X10. Admettons qu'on prend 10 fois les bénéfices. Vous savez qu'à 10 fois les bénéfices, déjà, je ne prends pas en considération la dette, mais sachez également qu'on a pris la moyenne ici. Et vu qu'on essaie toujours de, de, de se protéger au maximum, on va toujours regarder à peu près qu'est-ce que ça donne si on enlève la dette. Donc, si on prend ici 10, 100 millions multiplié par 10, 10 fois les bénéfices, ça fait 1 milliard. 1 milliard ici moins la dette nette, donc moins 228 millions, ça donne ici 772 millions. Divisé par le nombre d'actions ici, donc on a un nombre d'actions à combien 47 millions d'actions. Nous sommes à combien À peu près 16 dollars à l'action. 16, 17, donc on est à peu près un prix assez correct ici aujourd'hui. Donc on, sera, on pourra se dire que l'entreprise est correctement évaluée ici. Si on l'évalue à 10 fois les bénéfices, moins la dette nette. et je vous ai déjà dit qu'à 10 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, c'est déjà assez, c'est déjà très bas. Si vous prenez une compagnie, voilà, qui n'est pas une compagnie. Euh, D'assurance ou une compagnie bancaire et que vous allez voir encore la dette nette ici où on la sous-évalue littéralement. D'accord Faites attention. Donc, si on prend ici l'entreprise sans si prendre en considération la dette nette ici à 100 millions, 100, 100 millions multiplié par 10 fois les bénéfices divisé par le nombre d'actions, donc en 7 millions d'actions ici, on arrive plutôt à une valorisation ici de 21 dollars l'action. D'accord Vous n'arrivez pas à vous décider 21 dollars plus 16 dollars 50 plus 27 dollars ici. On fait diviser par 3. Simple. On arrive à peu près à quelque chose comme 21,59$. Donc, on va se dire que 21,59$, ça prend le meilleur des trois. Donc, 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. 10 fois les bénéfices, moins la dette nette. Et 10 fois les bénéfices sans la dette nette. Donc, on arrivera aux alentours de 21$ à l'action. D'accord Soit à la fin de la journée, je pense que nous avons une entreprise qui est soit correctement évaluée, d'accord, par rapport à la période actuelle, soit sous-évaluée par rapport aux opportunités qu'elle pourrait avoir à moyen terme, long terme. D'accord Et comme je vous l'ai dit, c'est une belle compagnie. Ne regardez pas juste le frais que le revenu baisse, etc. C'est une belle compagnie, d'accord? Sur le plan, voilà, sur le plan business, c'est une belle compagnie. Je pense qu'elle fait à peu près la même chose que CGG en mieux. D'accord? N'oubliez pas ça. Elle fait la même chose que CGG en mieux. Donc euh, maintenant, au niveau du dividende ici, on va regarder dividende. Elle versait un léger dividende de 0.24% ici. Je pense que c'est juste pour vous calmer. D'accord? Donc, on regarde le dividende ici. Nous voyons une entreprise qui avait l'habitude de verser à peu près 2 dollars par action jusqu'en 2019. Ça, c'était une erreur monumentale, par contre. Donc, elle a, elle a gaspillé près d'une centaine de millions ici, d'accord, juste pour distribuer un dividende. Entre 2010 et ici, 2000, 2014, le dividende augmentait jusqu'en 2015. Ici, de 2015 à, à peu près 2019, on avait une stabilité et on a eu, une, on a eu zéro, on n'a presque rien eu sur les dernières années. Donc, si je prends ici en termes de yearly, ça nous donne combien ici Elle a toujours payé un dividende. Sauf que la période actuelle le dividende est juste très très bas. Mais si tout se passe bien à nouveau, elle pourrait vous donner 2 dollars par action. 2 dollars par action, ça représente combien Ça représente à peu près, près de moins d'une centaine de millions. Et rappelez-vous qu'elle gagne au moins en moyenne pour les free cash flow, elle gagne au moins 100 millions, si on est très pessimiste. OK Donc, elle pourrait vous reverser à nouveau un dividende élevé. Oui, je comprends, vas-y, oui, mais le dividende, est-ce qu'il est durable etc. Si, la PO, si le cycle également est durable, ce dividende-là sera durable. Si dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 10 ans par rapport au prix actuel, si on vous verse en au moins 2 si dollars à l'action, vous récupérez votre argent juste en termes de dividende. OK Mais maintenant, à la fin de la journée, on essaie toujours de se protéger au maximum, je dirais ceci c'est une belle entreprise. Ne vous fiez pas aux résultats que vous voyez ici. C'est une entreprise, c'est un bon business, bien géré. Donc, elle a la capacité de souffrir, elle la démonte. Et c'est généralement à ce moment-là que vous pouvez voir les entreprises qui ont vraiment des avantages concurrentiels quand le cycle se retourne. Actuellement, le cycle s'est retourné, mais elle ne gagne pas encore d'argent. Peut-être que le marché ne voit pas encore ça ici. Mais vous, maintenant, si vous voulez aller plus loin, lisez vos rapports financiers. Cette compagnie-ci, est-ce qu'elle est destinée à tout le monde Non. Si vous n'avez pas le cœur bien accroché, n'essayez pas d'y investir. Si vous ne lisez jamais vos rapports financiers, déjà, n'achetez jamais aucune action. D'accord Allez-y acheter un ETF et ce n'est pas grave par rapport à ça. Donc, pour celle-ci, je pense que l'opportunité d'investissement est là, mais faites attention. Il faut avoir la capacité de souffrir. Donc, gérer ça en termes de pourcentage de vos portefeuilles. Le prix actuel est intéressant, mais je ne vais pas mettre 5% de mon portefeuille ici. Moins d'1%, 1%, ça pourrait être correct ici. D'accord Je me protège. OK Ne jamais oublier ça parce que. Le cycle peut se retourner. On peut avoir un prix plus bas ici, ou bien, voilà, le, le, si le prix du pétrole baisse, les gens vont se dire oh, Ok, donc toutes les entreprises, les entreprises pétrolières également vont baisser. Donc, protégez-vous. C'est la raison pour laquelle. Si vous l'achetez cette entreprise au prix actuel qui est intéressant, le prix actuel est intéressant, je le dis toujours. La valorisation sera aux alentours de 21 dollars l'action. Idéalement, moi je j'aurais préféré acheter cette compo aux alentours de 10 dollars, 10 dollars l'action ici, mais je suis toujours très conservateur de nature. Donc, je sais également que si le cycle se retourne pendant très longtemps, on pourrait gagner beaucoup d'argent ici. Donc, nous avons une belle entreprise qui est bien gérée. Donc, en termes de dividendes le dividende ici il est safe normalement et elle a les moyens de payer ce dividende-là, mais également ce dividende pourrait augmenter par rapport au prix actuel. Ok, donc on va se dire ceci. Si cette compagnie vous intéresse, lisez les rapports financiers comme les autres compagnies. Donc, en cette compagnie également me rappelle une autre qui a eu également la capacité de bien se gérer pendant la période difficile. Cette compagnie, c'est National All well, uh, Oil Well Varco. Donc, je pense que le cycle, le ticker, symbole, c'est NOV. Donc, NOV en fait vend en fait des des, des plateformes pétrolières donc les plateformes de d'exploitation pétrolière elle les clé en main il faut que je fasse une mise à jour ici et elle est clé en main et son véritable business c'est surtout le service derrière c'est pas de vendre la plateforme en réalité c'est le service derrière qui rapporte de l'argent parce que je peux vous vendre si je vous vends une voiture c'est un, une vente c'est là dès que j'ai vendu la voiture il y a plus d'argent qui rentre dans mes poches mais si je vous vends une voiture avec derrière un service annuel donc Imaginez un service, par exemple, de maintenance annuelle que vous allez payer annuellement. Il y a de l'argent, c'est du revenu récurrent et c'est ça qui est important. D'accord Donc, sur National Highway Varco, comme vous allez voir ici, la chose, la, ce qui a permis à entreprise, cette entreprise-ci de tenir, c'est uniquement parce qu'elle avait le secteur service. D'accord le secteur service lui a, rapporté de, lui a permis de pouvoir garantir à peu près des revenus assez stables. En termes de net income, vous allez vous dire, oh, il n'y a presque rien du tout, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Oui, c'est sûr qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais, mais quand le cycle se retourne, le plus important, c'est de se maintenir. Elle n'a jamais perdu d'argent. Enfin, quand on dit jamais perdu d'argent jusqu'au dernier mois ici, mais nous sommes encore au mois de juillet. Nous sommes, 2022 n'est pas terminé. Ça pourrait remonter ici. Donc, il faut faire attention ici. Donc, depuis 2014, cette compagnie-ci souffre. Mais elle souffre en se maintenant. D'accord Donc, tout simplement parce que son service, son secteur service lui permet de se maintenir. Et c'est la même chose ici. Si on relance ici le, la, 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 la dépense en capital dans le secteur pétrolier ici, cette compagnie va faire de l'argent. Bon, essentiellement pour le pétrole offshore. Donc, également, il faut faire attention avec l'écologie, etc. Donc, peut-être il y a des nuages gris à l'horizon. Mais vous voyez que c'est une entreprise ici qui s'est même permis de même pas avoir de dette en 2014 ici. Donc, voilà. C'est une belle compagnie qui est assez bien gérée, qui a également la capacité de souffrir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, attention à ce genre d'entreprise-là. Il faut toujours lire vos rapports financiers, comme sur toute autre entreprise d'ailleurs. On va se limiter là par rapport à Core Laboratory. On va se dire que la valorisation de Core Lab est en les 21 dollars ici. Idéalement, on aimerait l'acheter aux en tout les 10 dollars l'action. Et voilà. Le prix actuel n'est juste mauvais mais il faudrait savoir également ce que ça implique on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo d'ici là portez vous bien merci